اهلا وسهلا باصدقاء عالم ايمان، سعيده بلقياكم مجددا من مدينه طنجه. غادي نقدم لكم فقرات اليوم. اذا البورتري ديالنا كما عودناكم اصدقائي غادي تعرفوا من خلاله على صديقه جديده هي هاويه للفنون التشكيليه، تعشق الرسم والالوان. غادي نتعرفوا جميعا على صديقتنا ياسمين ونعود فيما بعد. Vous êtes les bienvenus chez moi, entrez. Alors, tout a commencé, j'étais en vacances et la mère, la copine de ma mère était artiste peintre et elle nous a montré ses tableaux et j'ai trouvé que c'était joli. Et ça m'a donné l'idée de devenir un artiste peintre. Alors ce que vous voyez devant vous, c'est la nature. Par exemple ici, c'est des trucs qui tombent. Là, c'est l'herbe. Là, c'est un petit peu de la pluie. Et là, c'est les fleurs, quoi. J'ai fait des fleurs comme ça de cette façon. Ce que vous voyez devant vous, c'est une tête qui est grande. Ici c'est le nez, là c'est la bouche, là c'est le cou et là c'est le collier, là c'est les cheveux, là c'est les oreilles, là c'est les yeux, là c'est le nez. Et ça c'est un zèbre qu'on a fait avec de la peinture et du feutre et des bouts de papier journal. Et ça c'est fait maison, j'ai pris des feutres. Et j'ai dessiné plein de choses différentes comme la nature. Là, c'est la nature qui est une petite fille dans son jardin. J'aime bien peindre. C'est mon métier préféré. C'est joli. C'est beau quand on fait des jolis tableaux. Surtout quand on change des couleurs ciel là qui sont jolies. C'est vraiment joli. Et voilà. C'est ce que j'aime bien. Je t'ai proposé quatre histoires. Lis-moi les titres. Blanche Neige, Les Mémoires d'un âne, Bambi, Igor et les trois petits cochons. Maintenant, choisis-en une. Tu veux celle-là? D'accord, on va la lire. Igor et les trois petits cochons. Les trois petits cochons sont musiciens. Toute l'année, ils ont donné des concerts à travers le royaume. Et ils reviennent chez eux épuisés. Bravo pour la première page, c'était réussi. Bon, ben en fait, moi je trouve Yasmine qu'elle lit très bien et qu'elle s'intègre très bien dans la lecture et que. Il paraît qu'elle peut sauter la classe de CP parce que là elle est en grande section et elle peut sauter la classe de CP pour aller directement en CE1 d'après ce qu'a dit sa maîtresse. Et comme c'est moi qui lui ai appris à lire et un petit peu à écrire, je suis très fière et aussi que je lui espère vraiment une très belle carrière. C'est ma soeur qui m'a appris à lire. C'est ma soeur qui m'a appris à lire, mais c'est moi qui lui a demandé et à écrire aussi. Et c'est facile, mais c'est un petit peu dur. Parce que moi je suis encore un petit peu petite. Et voilà. Et j'aime bien lire les livres. J'aime la danse. Ça m'amuse, c'est cool. Il y a mes amis, la maîtresse est gentille. Et quoi, j'aime bien. Ça va? Ça va? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? De danser. Il y a essayé de faire comme Yasmine.
Allez, vas-y, vas-y, montre-moi ce que vous avez fait. Ah non, ce qu'elle a fait. Alors, alors vas-y, montre-moi un, ce que t'as fait. Attention, tu vas dans la porte. Alors, bonjour, je m'appelle Yasser Mentaoud, je suis leur cousin, j'ai 11 ans. Et ce que je trouve sur Yasmine, c'est qu'elle a un grand talent vers l'art à son âge et qu'elle a un potentiel. Et elle a beaucoup d'avenir, c'est ça qui. Elle a une personnalité propre, c'est ça qui la différencie des autres. Et qu'elle a plusieurs choses que. Par exemple, elle fait de la danse, elle peint, elle dessine, et elle veut se lancer à la musique. Pour son âge, c'est déjà pas mal. Et je trouve que si elle continue comme ça, elle aura un grand ami. Dès que tu as un peu de work, ou un peu de work, tu as un peu de work. Quand tu as un peu de work, tu as un وجب بزاف المناظر ديال الطبيعه وكتاخذ ملي كتدخل للدار كتاخذ قلم وورقه وتحاول ترسم داكشي اللي شافت في النهار وملي كتكون المناسبات بحال عيد الام بحال عيد الاب بحال اعياد الميلاد ما كتعطيش غير الهديه هكا تعطي الهديه وتعطي معها واحد الرسم انا عدد من المرات ولا الام ديالها ولا الاخت ديالها كتعطيهم هذا تعطيهم الرسم الرسم عندها هي اغلى حاجه اللي كل ويكاند ما مير مون بير nous emmène moi et Yasmine ici dans cette place sur le magazine en français le mur des fainéants pour comme à Yasmine sentir l'air et aussi pour que Yasmine s'inspire un petit peu des maisons ici, de la mer, de la ville, un peu comme ça, au cas où un jour, si elle a un tableau où elle dessine ce qu'elle a vu, elle pourrait dire, ben, c'est cette place. Alors moi, j'aime bien venir ici pour chanter et sentir l'air. هنا معكم أصدقائي